donc j'ai dû mettre sur secteur. Parce que j'étais à Paris l'année dernière, j'ai toujours pas fait l'album. Donc j'ai trouvé des serviettes, je pense que Annie Trécan va les trouver très belles, ce qui est vrai. Et je pense qu'on va envoyer dans un prochain envoi, parce qu'il y en a un qui est parti profiter, comme je disais, pour faire, je ne sais pas si je l'ai dit, mais profiter d'être en France pour faire quelques envois. Alors, encore Paris, que je trouve très belle aussi, ça fait un peu, je sais pas comment expliquer, ça fait un peu victorien, mais le nœud, bon, c'est pas grave. Ça me fait penser aux Aristochats, je sais pas pourquoi, un peu ce côté vintage avec le petit nez rose, façon camée, les Aristochats avec leur maîtresse qui était un peu... Enfin voilà, ça me fait penser à ça. Elles étaient à 1,99€ et on a 20 dedans. Je sais pas, je siffle, c'est le prix. Après, j'ai trouvé 3 masking tape de la marque Toga. Des écritures. Non, pas de la marque Toga. La marque Cultura Collection. C'est du craft. Il y en a 10 mètres à chaque fois. Et ici, c'est des papillons avec facture, écriture, chiffres, mots, enfin voilà. Voilà, ça c'est pour Cultura. Et oui, j'ai pris chez Cultura un papier, je les ai oubliés, des papiers de la collection L'Air du Temps de Toga. Je pense qu'on n'en a pas entendu parler et en reparler. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous mettez sur Google L'Air du Temps Toga ou Toga L'Air du Temps et vous verrez les papiers vintage, très beaux, ben voilà. Alors après, j'ai fait un autre magasin, j'ai été à Plein Ciel pour voir un peu ce que c'était, parce que je ne connaissais pas Plein Ciel, à part à la télé. Et en fait, je voulais m'acheter une Dimo, parce que ma Dimo que j'ai acheté d'occasion dans un scrap, enfin une brocante de scrap, est cassée, ça fait le machin avec le mot, ce qu'on fait comme ça, on fait tourner les lettres. Elle est cassée, bon, ben, j'ai perdu 15€. C'est pas grave, c'est pas la première ni la dernière fois. Et ici, chez Carrefour, en Belgique, j'en avais vu une de la marque Dimo, 50€. Je ne l'ai pas pris, je trouvais que c'était quand même un peu cher. Et après, bon, bah, j'ai été chez Plein Ciel. Hein. Bon, c'est une papeterie, il n'y a pas grand-chose de loisir créatif. Et j'ai vu une Dimo à 29€. Mais les couleurs de l'enquête ne me plaisait pas. Et la dame me dit, oh, mais vous avez une brother qui coûte 19€, 20€ en fait. Alors la seule différence, c'est que celle-ci marche sur pile, la Dimo marche sur secteur. Mais bon, on ne s'en sert pas tous les jours. Quand on s'en sert, c'est pas excessif. Alors des piles, voilà. La seule chose, c'est qu'il faudra enlever les piles. Il faudra que je trouve une trousse pour la mettre dedans. Parce que les piles pourraient couler. Ça, j'ai toujours peur que les piles coulent quand c'est dans un appareil à piles et qu'on ne s'en sert pas souvent. Donc, c'est une brosseuse, ce qui n'est pas une mauvaise marque. Je n'ai pas encore ouverte. Il y a sûrement des cartouches, voilà. Et puis, les couleurs de cartouches ne sont pas mal. Par contre, la Dimo, il n'y a pas beaucoup. Et je pense ici que j'ai pris... j'ai pris Black on Blue Tape. Donc je pense que le fond est noir et c'est écrit en bleu. Ou le fond est bleu et c'est écrit en noir. Je ne sais pas. Mais elles sont chères ces cartouches. C'est 17€. Et les cartouches de ma Dimo, je veux dire manuelle, mécanique, j'en ai des rubans. Je pense que je vous les ai montrés. Maintenant, je ne sais pas quoi en faire de ces rubans. Il y en a quand même pas mal. Il y avait plein de couleurs. Vous les avez vus dans la vidéo brocante scrap d'il y a quelques mois.
Donc, que vais-je en faire? Que vais-je en faire? Si quelqu'un a une proposition d'échange contre quelque chose que je n'ai pas encore, ce qui est difficile, parce que, bon, je mets 250 millions de scrap, j'ai de quoi. Donc, si vous me proposez quelque chose, un échange, je ne sais pas, on verra. À vous de me proposer. Et puis, voilà. Autre chose qui n'a rien à voir avec le scrap, j'ai trouvé une petite boutique à Pézenas, dans l'Hérault. Petite boutique qui fermait parce que la cessation d'activité, la personne partait en pension. Et alors, il y avait une petite boussole, très jolie. Elle était à 16 euros, 18 euros, le vrai prix, et je l'ai eu pour 6 euros. J'aime beaucoup les boussoles. En fait, c'est en la voyant que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les boussoles, que je n'en avais pas. Moi, j'en ai une toute petite, une très vieille, qui est dans ma boîte à bijoux. Et je me suis dit, ben tiens, voilà, je vais me payer cette petite boussole. Et comme ça, j'expliquerai à Laura le nord, etc. Parce que bon, expliquer sur Internet, expliquer avec un dessin, oh, pardon, et le voir, c'est différent. Et voilà. Alors, autre chose, j'ai été en vacances 2 fois cette année. La première fois, nous sommes allés chez des amis à Bécherel, et je suis passée dans le village de quelqu'un qui est parmi mes abonnés. Et voilà. Je ne vous dirai pas qui, mais elle se reconnaîtra, et on est passé dans son village. Voilà. Et c'est en voyant la plaque de son village, je me suis dit, mais je connais quelqu'un qui habite par ici. Voilà. Donc, c'était à côté de Bécherel, en Bretagne. Bécherel, qui est un très beau village d'ailleurs. Alors, ici, nous sommes allés dans l'Hérault. C'était très loin, c'était très long. C'était à ne pas faire en voiture, parce que c'est insupportable. Donc, voilà. Alors, c'était magnifique, hein, ça, il n'y a pas à dire. Ça, c'est. Ça, il n'y a pas à dire. Magnifique. J'ai vu des superbes endroits. Moi, j'adore les vieilles pierres, châteaux, églises, abbayes, prieurés, villages médiévaux, oui. J'adore les vieilles pierres. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une passion pour moi. Je n'aime pas beaucoup tout ce qui est foule, tout ce qui est galerie marchande. Mais là, en septembre, il n'y avait pas grand monde. Ça pouvait aller. On pouvait déambuler tranquillement dans les rues sans se devoir allez, jouer des épaules. Et puis, voilà. Et puis, il faisait encore très très chaud. Hein. Il faisait encore 29, entre 28 degrés et 33 degrés. Donc, c'est pas mal. D'ailleurs, je vous mettrai des photos. Des photos dans cette vidéo. Il y a 3 vidéos qui vont arriver. Où j'en étais? Parce qu'en fait, ma maman vient de rentrer dans la maison. Où j'en étais? Je ne sais plus. Oui, donc je vous mettrai quelques photos dans cette vidéo. Je dois vous faire une autre vidéo avec mes dernières créas et encore une autre vidéo, mais je ne sais plus avec quoi. Alors, autre magasin de scrap, j'ai été chez Jiffy. Alors, j'ai un coup de gueule à passer sur Jiffy. Donc, j'ai un coup de gueule à passer sur Jiffy. Je me suis dit que j'allais faire un tour chez Jiffy parce que Jiffy Belgique et Jiffy France, on ne trouve pas les mêmes choses. On a eu ça à gratter. Et alors, donc nous avons gratté, nous avons été, parce que j'avais des cadeaux à acheter pour des anniversaires, pour un anniversaire, pour 2 anniversaires. Et je me suis dit, bon, ben, allons chez Jiffy.
Pour trouver quelque chose qui ne soit pas, je veux dire, touristique, qui ne soit pas, bon, parce que les machins touristiques, voilà. Et alors, on a eu un bon d'achat de 5 euros, quand on gratte, mais par tranche d'achat de 25 euros. Donc, j'y suis allée, et au moment de payer, j'ai vu la dame, une petite jeune, qui le prenait, qui le jetait sur le côté dans une caisse. Et alors, après, sur la route, c'était à Béziers, et sur la route, j'ai regardé mon ticket, et j'ai vu que c'était pas, les 5 euros n'étaient pas décomptés. Alors, j'ai téléphoné au magasin de Béziers, en disant, voilà, notre gîte est à 1 heure de Béziers, il y a d'autres Jiffy, est-ce que c'est possible d'aller dans un autre Jiffy? Il m'a dit non, parce que nous sommes des indépendants. Bon, je dis, est-ce que c'est possible de m'envoyer un bon d'achat par mail? Non. Est-ce que c'est possible de me payer 5 euros par virement? Non. Et bon, alors j'ai dit, mais écoutez, j'ai dit, c'est votre caissière qui a fait une erreur, donc c'est à vous à trouver la solution. Donc, bon, ma réflexion n'a pas plu. Bon, ça, je m'en doutais, la franchise, ça ne plaît jamais. Donc, bah, écoutez, j'ai dit, c'est pas pour les 5 euros, c'est le fait que c'est symbolique. Elle n'a pas fait son travail correctement. Donc, on est retourné à Béziers plus tard. Alors déjà, quand on est arrivé à Béziers, on m'a pris mon ticket des mains. Et j'ai vu la dame qui recomptait, qui faisait le compte pour voir. Mais elle est complètement, je m'excuse, conne. On voyait très bien sur le ticket qu'il n'y avait pas marqué en dessous moins 5 euros de bon d'achat, etc. Bon, j'ai laissé faire, nous avons attendu une demi-heure. J'ai vu la dame aller, venir, repartir, revenir. Après, elle est venue vers nous en nous disant que voilà, on ne pouvait pas être remboursé en argent comptant. Mais j'ai dit, mais nous, nous venons de Belgique. Et les Jiffy, en Belgique, sont différents. Elle m'a dit que comme c'était l'anniversaire de la marque, il y avait ça partout. Bon, nous verrons bien quand nous irons dans un Jiffy, ce qui est très rare, puisque nous n'allons jamais dans un Jiffy. En Belgique, nous allons chez Trafic et chez Action, on trouve les mêmes choses que chez Jiffy. Donc, j'étais pas très très contente d'avoir été prise pour une menteuse, d'avoir dû trouver la solution moi-même, c'est-à-dire retourner dans ce magasin. Ça m'a fait chier, ouais, je le dis, ça m'a fait chier. Alors après, mais j'ai quand même trouvé des petites choses, du masking tape, la vie est faite de petits bonheurs, des plumes, bon voilà, c'était pas cher. Et ça, c'est la même chose, c'est la même marque chez Cultura, sauf que c'est la moitié du prix. Des petits nœuds, des petites fleurs, et ceci, un petit bloc de papier. Évidemment, il y en avait plusieurs, j'ai pris que celui qui me plaisait, c'est terminé d'acheter à tout va. Voilà. Alors après ici j'ai fait un autre magasin à Béziers qui s'appelle CB ou Seb, je sais pas comment on prononce, c'est C-E-B-E. Encore là, j'ai pas été contente. Parce que vous rentrez, on vous dit même pas bonjour. Vous sortez, on vous dit même pas au revoir. Déjà, commercialement, c'est pas fameux. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Je suis quand même rentrée parce que j'ai trouvé des choses que je n'avais jamais vues avant. En fait, ça. Et ça, en fait, c'est une base, et une base cuivrée et une base métallique, bronze foncé, que vous devez mettre deux fois. Et puis après, vous laissez sécher, vous remettez par-dessus une patine. Et je trouvais que l'effet, parce qu'il y avait un exemple, l'effet était vraiment très beau. J'ai pris une patine bleue, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y avait bleu, vert, rouge... Et moi, c'est le bleu que j'utilise le plus. Après, du vernis craqueleur, parce que j'en avais une grande bouteille comme ça. Mais moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je craquais pas souvent, donc voilà. Et c'est la marque Le Franc et Bourgeois. Alors après, ceci, c'est encore de l'encre Liquitex vert. Voilà. Et
ceci. Ça c'est ce que je me sers pour recharger mes pchits, mes pads. C'est Wistor et Newton. Alors c'est la marque, la couleur rouge brique, rouge franc. Pour toi ça n'a pas l'air bien rouge. Hein. Et purple et violetto. Voilà. Alors sur ce, ben, je vous laisse. Ah oui, et j'ai trouvé ça aussi, parce que ça, en Belgique, on trouve pas. Ou alors, je ne sais pas. Pour faire des sprays, j'espère que ça marchera. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.